Parmi ceux qui font leur entrée au gouvernement, il y a le fidèle des fidèles, le lieutenant de Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux, qui prend en charge les collectivités territoriales. Il travaillera aux côtés du ministre de l'Intérieur qu'il suit depuis plus d'un quart de siècle. Émilie Lançon, Sylvain Gauthier. Il est le premier à sortir aux côtés de Nicolas Sarkozy, à qui il doit sa place au gouvernement. Et Brice Hortefeux semble tout étourdi. Tôt ce matin, le nouveau ministre aux collectivités territoriales n'était pas mécontent de découvrir son nom en gras dans la presse. Il y a la fierté que l'on peut lire dans le regard de sa famille, que l'on ressent dans les messages de ses proches. Mais il y a en même temps le bonheur de pouvoir espérer agir concrètement. Il est à peine midi et déjà, tout change. 104 messages. C'est commode pour appeler et relancer. Hein. Enfin, comment je vais faire 104 messages. Arrivé au ministère, passation de pouvoir courtoise avec Marie-Josée Rouag. Brice Hortefeux et sa femme prennent possession des lieux. Dernière révision avant le Conseil des ministres. Mais hier soir, déjà ce matin et cet après-midi, il faut avoir approfondi, disséqué, décortiqué un sujet. Direction l'Elysée tout proche et arrivée au pas de charge. À la sortie, ça décoiffe un peu. Non, c'était tout à la fois intéressant, impressionnant et émouvant. Désormais, Brice Hortefeux a peut-être un garde du corps, mais il peut aussi faire une croix sur ce week-end.